Toujours un peu dans la série des incontournables. C'est une demande que certains d'entre vous m'ont fait, savoir est-ce qu'il y a des instruments virtuels que j'ai découverts pendant toutes ces explorations qui méritent effectivement un statut, là. Il faut pas passer à côté, il faut vraiment aller chercher ces éléments. J'en présente quelques-uns, puis j'essaie de concentrer mes efforts encore sur les gratuités ou enfin des choses qui ne feront pas un trou dans votre portefeuille d'une certaine façon. J'essaie qu'ils soient donc gratuits dans un premier temps et qu'ils soient donc compatibles avec toutes les plateformes, qu'on soit PC, Macintosh, peu importe. Ici, c'est un format contact, donc si vous avez la version contact, bingo. Moi, je l'ai ouvert avec Logic, mais on aurait pu être avec Cubase, peu importe. Ce que je trouvais intéressant de cette maison, Emergence Audio, c'est l'approche qu'ils ont eue de créer une interface qui nous donne l'illusion, même plus que l'illusion, ce qui nous donne vraiment un rendu très, très musical d'une certaine façon. Et la manière qu'ils ont de combiner, d'échanger ces timbres, font que la musique, vous tenez un accord, la musique change sans cesse. Je présente cette compagnie à cause au départ de l'intelligence de l'interface, la force de manipulation qu'on retrouve à l'intérieur de ça, mais aussi dans cette première collection, donc Infinite Collection, donc on va retrouver ici en format gratuit. Effectivement, il ne faut jamais oublier que quand les gens nous invitent dans leur univers, c'est pour nous donner un avant-goût de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils font comme effectivement instrument, pour que effectivement, éventuellement, on aille un peu plus loin avec l'achat de certaines versions. Ce que je trouvais intéressant dans celui-là, Infinite Collection, c'est qu'il touche les cordes. Vous avez entendu le violoncelle, contrebasse, clarinette. Il y a aussi les voix humaines. Et ça va, je pense, ici jusqu'au violon. On a cet ensemble-là, donc cello, violoncelle, clarinette, double bass, contrebasse, Infinite Bird Whistle, des éléments de percussion, steel tongue, après ce quantum, le soprano texture qu'on a entendu à la fin, source code et violin texture. Ce qui est intéressant, et je reviens à cette idée, c'est que tout ça est gratuit, mais relativement limité. Puis je vais vous amener la version que j'ai achetée, moi, de l'alto, pour vous montrer l'ampleur de ce qu'on a aussi sous les yeux ou sous les doigts. Donc, la façon que ça se passe, dans un premier temps, je vais aller chercher mon numéro 1, qui était celui-ci, voilà, K1, que j'ai utilisé avec le cello violoncelle. Donc, vous voyez ici le. Dans un contexte très suspensif. On retrouve donc ici cello texture, donc le choix de l'instrument, avec deux échantillons qui seront effectivement en combinaison un l'autre avec ce petit médaillon central qui est à la fois qui peut être synchronisé avec votre logiciel, avec la vitesse que vous avez ou selon vos choix. Ce que ce médaillon va faire, c'est qu'il va osciller vers la droite, c'est-à-dire en bonifiant cet élément qu'on retrouve ici, ou vers la gauche, ici c'est sol tasto, ou vers la gauche, flauta en do. En ce qui concerne les cordes, ce sont des éléments qui sont assez significatifs de l'écriture ou d'utilisation des cordes, puis ça c'est vrai du violon aller jusqu'au violoncelle. Sol tasto veut dire sur la touche, donc qui va donner un timbre beaucoup plus intimiste dans le jeu. Moins de force, mais plus d'intimité. Et flauta en do indique ici sans vibrato, un peu à la manière d'une flûte, un son soutenu. Si je veux avoir, puis vous savez, vous voyez qu'ici que chaque son comporte son ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release, avec un petit cadenas ici qui va faire en sorte que si je manipule des éléments ici, ils seront affectés aux deux éléments, c'est-à-dire au son flauta en do et au son sol tasto. Si je retire le cadenas, donc à ce moment-là, vous voyez qu'ici je peux négocier, disons, l'attaque. Mais ça n'est. On voit qu'il n'y a aucun effet sur son voisin à droite. Si je veux entendre, en particulier, là, vous voyez le petit curseur qui nous amène le déroulement du timbre comme tel. Si je veux activer, désactiver, simplement ici en sélectionnant ce petite touche, ici j'aurai que l'élément sol tasto. Donc, quand vous portez une attention, vous voyez que le timbre est très, très doux. Là, on négocie un peu une dynamique.
Si je prends, à titre d'exemple, le voisin flûte en do, toujours sur la même note. Là, j'ai mis une attaque plus douce. Je vais remettre l'attaque. Donc, vous voyez ici, on essaie d'avoir sans vibrato un son pur. Donc, aux cordes, on retrouve un peu ce genre d'élément. Flûte en do, sul ponticello, qui fait qu'on amène l'archet plus près du pont de soutien des cordes, qui va donner une texture vraiment différente, à faire ressortir les harmoniques. Tout ce qu'on voit ici, c'est vraiment typique de l'écriture des cordes. Et dessous, ben, là, je vous parle de l'interface comme telle, comment les sons voyagent un l'autre. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le petit onglet ici, le médaillon central, vous voyez qu'il va de la gauche vers la droite. Donc, pour Donc, il va prioriser un peu la mise en avant-scène du son qui sera sélectionné pour créer un peu ce mouvement. Donc, si je maintiens un accord et que je le garde, sol mineur, vous avez vu qu'avec le petit curseur, le son était à peu près au tiers. Donc, on a encore beaucoup de potentiel de garder le son vivant. C'est un peu la nature même de l'intelligence de cette maison, Emergence Audio. Puis ici, on appelle Infinite Motion Engine. Donc, il fait que le moteur, finalement, qui va capturer l'élément, sera toujours en transformation pour nous donner un peu l'idée, l'image d'un timbre qui est toujours en mouvement, qui sera toujours renouvelé d'une certaine façon. Donc, on est loin de quelque chose de statique ou qui sera peut-être un peu plus froid. Donc, à l'intérieur de ça, on a ici les filtres qu'on retrouve en bas, les classiques avec une influence ou une action avec un LFO, par exemple. EXPR. Après ça, on a le PAN, panoramisation, RES pour résonance, le cutoff, etc. On trouve quand même plusieurs éléments qui sont présents ici. FX, on trouve les classiques. Reverb, voilà, on a le reverb, on a le delay qu'on retrouve ici. Rotation pour donner encore plus d'image dans l'écoute du timbre. Et le chorus ici qui sont désactivés. Pour l'activer, simplement, voilà, ici peut-être qu'en version. C'est ça, peut-être que dans la version gratuite, on n'a pas accès à ces éléments. Je reviens en arrière, donc reviens à la fenêtre main. Et il faut dire, puis c'est pour ça que je voulais vous présenter un instrument que j'ai acheté, donc qui comporte l'ensemble complet, pour vous montrer comment, à l'intérieur de cette interface d'accueil, au départ, les échantillons sont vraiment magnifiques. Le fait d'y combiner va donner vraiment quelque chose de vivant, disons-le comme ça. Et vous verrez tout à l'heure avec l'alto comment la nature même de l'instrument sera vraiment au-delà de nos espérances. Je suis allé chercher aussi en numéro 2 la clarinette que vous avez peut-être entendue. Même chose, hein, on voit qu'ici on a un son qui est face vibrato, donc un vibrato rapide, et un autre avec un vibrato plus discret. Malgré le côté très représentatif de l'écriture ou de la nature instrumentale, une chose qu'il ne faut jamais oublier, et ici j'ai fait exprès de le faire comme ça, dans les instrument avant, si on a le bon son, puis effectivement c'est un son de clarinette, puis il n'y a rien à s'y méprendre, il ne faut jamais oublier le souffle. Hein? La nature instrumentale fera que le musicien, ce que j'ai joué, c'est presque impossible à faire par un musicien, puisque il faut respirer. Alors il ne faut jamais oublier que même quand on joue de la flûte, qu'on joue de la clarinette ou de la trompette, sur notre formation MIDI ou sur notre instrument virtuel, il ne faut jamais oublier de respirer. Bon à se rappeler. Celui-ci, j'arrive, c'est un peu la même configuration, mais aussi avec les dynamiques. Jouer doux, fort, doux, donc où le timbre est légèrement modifié. Donc vous voyez, c'est un peu le même type de caractère vivant dans l'évolution du timbre. Ça, donc, c'était avec la clarinette, qui fait partie encore là de cette
Infinite Collection. Numéro 3, j'avais utilisé, je pense, contrebasse. Voilà, double bass. Donc, c'est ce qui grondait là, ici. Là. Ah, vous voyez, la qualité de l'échantillon est vraiment superbe. Et la contrebasse, en principe, les cordes ouvertes du grave vers l'aigu, c'est mi, la, ré, sol. Donc, ce mi est la note la plus grave, en principe. Et on a de plus en plus dans les instruments d'orchestre ce qu'on appelle une clé, une modulation qui nous permet d'abaisser la corde de mi à la corde de do. En ce qui concerne les basses, disons plus électriques, on a des basses 5 cordes, 6 cordes qui permettent d'avoir des extensions dans le grave et dans l'aigu. En ce qui concerne les contrebasses classiques, qui sont vraiment à la nature de la contrebasse, on a opté pour ce genre d'outil qui nous permet d'abaisser la corde de mi à la corde de do pour avoir ce do grave qui gronde comme ça, effectivement. Donc, quelle richesse d'échantillons! Et pour vous montrer ce à quoi ressemble ici, c'est vraiment dans la version gratuite des éléments qu'on retrouve pour nous amener à comprendre un peu la nature de l'instrument ou la nature de la maison. Tiens, je vais aller chercher l'instrument que j'ai préparé pour vous ici. Tiens, moi, celui que j'ai acheté avec eux, c'est le Viola Texture, donc l'alto. Et vous voyez que c'est la même formation, la même présentation, même type de geste, effectivement, puisque les versions gratuites sont un indice incitateur à nous amener vers ceux-là. Mais où ça change, c'est qu'effectivement, quand je tape ici, là, regardez l'ensemble des préconfigurations qu'on retrouve. Et ici, c'est à peu près très technique, très typique des cordes. Flat and Do. Ici, mute avec sourdine. On a aussi normal, donc avec sourdine. Donc, il va donner un timbre très, très, très intime, encore une fois. Sur le ponticello, je vous en parlais tout à l'heure. Je vais aller chercher celui-là pour vous montrer à quoi ressemble sur le ponticello à l'alto. C'est-à-dire, je vais aller chercher celui-ci. Voilà, numéro 5. Tiens, voilà. Ici, s'il est un peu doux. Ici, on a avec sourdine. C'est vraiment fantastique. Ici, ce que je viens de jouer, là, c'est typique, on peut faire ça effectivement avec un ensemble à cordes, puisqu'on utilise des cordes ouvertes ou des divisies qui nous permettent de créer ce petit classeur, donc qui est une boule de son. Donc, effectivement, en négociant ces menus déroulants, on retrouve effectivement un bon ensemble de choix. Puis c'est vrai des deux côtés, on a à peu près les mêmes choix. Et ce qui est intéressant, c'est aussi toujours de la façon que les gens nous amènent à découvrir leur production via l'ensemble de choix qu'on retrouve ici. Donc, effectivement, quand je clique sur le petit onglet Factory, donc voici l'ensemble des sons qui sont proposés par la maison. Tiens, si je vais aller chercher celui-là sur le Ponticello en alternance, voici ce que la maison propose. Ah, c'est incroyable comment le thème, la nature demeure vivante. Dans ces catégories, Factory, donc voici, on avait, tiens, Alternate, Correlated, Experiment.
Tiens, on va aller chercher ça. Cosmic Wolves. Je vais aller voir à quoi ressemble celui-là. On est toujours au même endroit, là, toujours dans les sons de l'alto. C'est impressionnant. Tiens, je vais maintenir simplement une note. Le sol tenu nous amène dans cet univers. Et pour voir, ce qui est toujours intéressant, quand on retrouve un son comme ça, on a tous les ingrédients qui sont là pour voir comment il était fait, comment il est fabriqué. Donc, je retourne dans les FX. Et ici, on voit que on a CONV pour convolution, delay qui est activé, le chorus et le rotator. Donc, on va avoir la rotation. On a le noise. Tape saturation avec la distorsion ici. Cosmic Wolf Experiment. Je trouve que celui-là est assez bien défini. J'avais vu un autre, un Thousand Ricochet. Pour être effectivement dans un autre univers complètement différent. Donc, si je veux concentrer mon idée sur le ricochet, le son de base, je vais aller retirer celui-là. Parce qu'à la base, le son ricochet, au niveau des cordes, c'est que comme il y a une tension qui est naturelle avec l'archet, on fait simplement rebondir l'archet sur la corde, qui donne souvent un élément rythmique qui peut être mesuré, qui peut être noté, ou des fois on le laisse libre à l'interprète. Et on avait donc ici ricochet et ricochet reverse, donc à l'envers. On entend bien ici. Quand on combine les deux, et quand je vais voir ici, je pourrais aller chercher, tiens, si on veut aller chercher un autre élément pour avoir toujours à l'intérieur de ce même timbre, ricochet et punta d'arco. Mais ça vous montre bien comment, où on va finalement avec cette. Tiens, je vais aller chercher un dernier pour notre plaisir avec le pulse. Donc, pulsation. Gentle. Ça fait presque comme les cordes, les cuivres qui sont derrière maintenant de pulsation. Ben, c'est pour vous amener un peu à la découverte de cette maison, Emergence Audio, que moi j'ai découvert cette année. Puis effectivement, ça fait partie de mes coups de cœur, puisque je trouve l'interface, je trouve la façon qu'ils ont amené la gestion de ce type de timbre, notre manière à nous d'entrer en contact avec les coulisses un peu de ce magnifique instrument virtuel qui est donc disponible sur toutes les plateformes en format contact. Infinite Motion Engine, donc un moteur de création infinie qu'on a bien entendu ici. Donc vous aurez occasion d'aller explorer la version gratuite avec les thèmes que je vous ai montrés en guise d'introduction. Et après, ben, si le cœur vous en dit, d'aller vers l'achat de certaines bibliothèques beaucoup plus complètes et beaucoup plus développées, comme on voit là, qui sont relativement abordables considérant la puissance créatrice de ce genre de maison et de ce genre d'outils. Donc, Emergence Audio, Infinite Motion Engine, et ici, je l'avais dans la version de base, Infinite Collection. Et sans oublier que, à l'intérieur de ça aussi, je suis allé rapidement, il y a donc multicouche, multitimbre, où effectivement, tiens, peut-être qu'en quittant avec celui-là, on va voir à quoi ressemble cette multicouche. Ici, vous voyez qu'on a clarinette qui est utilisée. On retrouve violon et le soprano. Soprano à deux reprises, je pense. Voilà. Si on regarde avec un timbre, pour se quitter là-dessus. Okay.
comme on dit, de la puissance sous nos doigts. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne inspiration et j'espère entendre de votre écho bientôt. D'ici là, ben, bonne inspiration, bonne suite. À bientôt. Au revoir.